2015, c'est mon année. Cette phrase, beaucoup l'ont répétée dans l'espoir de voir se réaliser leur plus grand rêve cette année. Mais cet espoir, certains le matérialisent en venant tous les lundis participer au congrès financier. C'est justement le cas de ce jeune homme près de moi. Jeune homme, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous participez tous les lundis au congrès financier ? Bon, déjà, j'ai déjà participé. La première fois que j'ai participé, j'ai vu que ça m'a beaucoup apporté. Parce qu'avant, j'étais au chômage. Et quand le pasteur me parlait la parole, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup motivé aussi à chercher du travail. Mais le travail que je voulais en plus. Genre avant mon week-end, travailler dans la semaine en tant que pâtissier. Et grâce à cette réunion que j'ai pu avoir ce métier, ce travail. Beaucoup de personnes pensent qu'en se disant « bonne année, tu vas réussir » et en faisant beaucoup de résolutions pour l'année, ils vont réussir à atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il n'y a que notre détermination qui compte, en fait. Même si les autres nous disent qu'on va réussir, etc., c'est nous qui décidons notre vie. Donc c'est nous qui décidons si on va réussir vraiment ou non. Et c'est pour ça que vous participez les lundis ? Oui, c'est pour ça que je participe, parce que je sais que la prière du lundi, enfin la réunion du lundi, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup, beaucoup de détermination, de motivation pour justement réussir dans notre vie professionnelle. Moi, ça m'a donné beaucoup de courage pour faire les choix que j'ai fait, parce que c'était pas des choix difficiles. Et maintenant, j'ai de nouveaux objectifs et je viens pour les réaliser. C'est exactement pour cette raison que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes qu'en 2014 participent au congrès financier. Allons voir ce que pensent les autres personnes. Entre le 31 et le 1er janvier, c'est là que les personnes pensent à réaliser leurs rêves. Mais j'aimerais savoir, mademoiselle, vous, est-ce que vous êtes de cet avis ? Est-ce qu'il faut attendre le 31 pour commencer à faire des projets ? Non, je dirais pas qu'il faut attendre le 31 pour commencer à penser à ses projets, mais c'est vrai que quand on change d'année, on se dit c'est un nouveau départ, on se laisse le temps de respirer, de se dire « bon, la nouvelle année commence, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est juste un temps auquel on se dit « il faut y réfléchir parce que l'année change et on avance dans le temps ». C'est plus une pression temporelle, on va dire ça comme ça. Mais non, je pense pas qu'il faut attendre le 31, mais comme c'est justement une période où on change, où on veut du nouveau, donc oui, il faut saisir l'opportunité tant qu'on y pense de le faire. Donc moi, j'ai déjà commencé. Plus j'utilise l'agenda qu'il y a derrière le projet 2015, comme il y a un calendrier où j'ai commencé à écrire ce que je voulais, même si c'est pour septembre 2015, j'ai déjà écrit ce que je devais faire ce mois-ci, le mois d'après, parce qu'il faut le planifier, c'est bien d'y penser, mais de l'écrire comme on nous le demande, ça permet déjà de voir ce qu'on veut faire et de s'en rappeler, parce qu'on a tendance à oublier qu'on se décourage, mais de le fait de le voir sur le papier, de se dire oui, je dois faire ça, on commence à mettre des plans en place, comme j'ai commencé à faire. Il y a des démarches à faire et il faut juste y aller. Maintenant qu'on a pensé, il faut passer au projet. Voilà, pour que ça se concrétise. Et c'est ça que vous enseigne la réunion du lundi. Exactement. Donc la réunion du lundi, j'ai concrètement, moi, une formation, je suis déjà une formation dehors, mais quand je viens le lundi, c'est ma formation spirituelle pour mes projets matériaux. Donc c'est vraiment complémentaire, on ne peut pas juste aller par la foi. Mais la réunion du lundi, ça apporte vraiment un soutien à ce qu'on doit aller faire dehors. J'entends souvent dire qu'il faut prendre des résolutions, partir d'un nouveau pas, enfin faire quelque chose de nouveau quand c'est la nouvelle année. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, parce que sinon autrement on n'avance pas. Donc c'est mieux de prendre des résolutions, des décisions pour pouvoir avancer. Et vous justement, est-ce que vous avez fait quelque chose dans ce sens-là pour que votre année en fait ne ressemble pas à la précédente ? Je participe à la réunion du lundi. J'ai pris le projet de 2015 que j'ai mis en place pour pouvoir avancer dans ma vie professionnelle. Et qu'est-ce que vous avez pensé justement de la réunion de ce soir ? On a parlé par rapport à l'audace et c'est vrai que souvent on se laisse perturber par notre peur et c'est ça qui nous paralyse. Donc c'est vrai que pour avancer, il faut être audacieux.